est sur ton autel. Liez pas les liens d'amour. Reçois mon offrande ancienne. Je veux te servir toujours. Et désormais, je veux servir, mon sauveur, glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi, pécheur. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple et glorifie les malheureux en les suivant. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le quatrième dimanche du mois d'août. Nous sommes à la fin de ce mois, le huitième. Dans une semaine encore, nous rentrons d'emblée dans le neuvième mois de l'année 2024. Le Seigneur est fidèle. Il nous a gardés pendant tous ces jours et nous devons lui rendre gloire. Nous devons l'exalter et le louer. Nous allons commencer notre service d'adoration en chantant les paroles du cantique qui se trouve au numéro 144 de notre recueil de chants d'espérance, section française. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oui, ensemble, donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie du mal, garde-moi. Ce cantique sera chanté par une assemblée en ligne, et nous suivons avec cette assemblée ce cantique à la gloire du Seigneur. Amen.
Amen, amen. Et maintenant, invoquons le nom du Seigneur par la prière et le vivant par l'ange d'homme qui va prononcer cette prière à la gloire du Seigneur. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu par la prière. Prions Dieu. Ô Dieu de grâce, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom encore une fois ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour ce jour que tu nous donnes. Nous voulons te rendre grâce pour cette occasion de nous rassembler, oui, de nous rassembler en ton nom et au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te rendons grâce de ce qu'il a plu à ta bienveillance de nous confier la mission de proclamer ton évangile, l'évangile qui régénère, l'évangile qui apporte la vie. Seigneur, merci de ce que tu nous appelles à être tes témoins, à proclamer ta parole de vérité, ta parole d'amour, ta parole de vie. Merci de ce que tu nous appelles à partager avec tous les peuples de la terre. Ta parole qui régénère. Ô Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit pour qu'il nous guide et nous fortifie, pour qu'il nous donne la sagesse et le courage, pour qu'il nous rende humbles en proclamant l'Évangile. Que le culte de ce matin soit un temps de louange et d'adoration, un temps d'écoute et de méditation, un temps de prière et d'offrande volontaire. Sois avec nous, ô Dieu, et avec tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Bénis notre assemblée, bénis notre travail, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire et l'honneur, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Hallowed be.
Nous poursuivons notre adoration et cette fois-ci, nous allons écouter la lecture alternative du psaume 145 et cette lecture sera faite par les époux François, frère Marie, Jean-Marie François et la sœur Marie-Ange. Et cette lecture sera suivie par la doxologie. Écoutons-la. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et les fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et la domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tout ce qu'il aime, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen, amen. À présent, nous allons faire la lecture biblique dans Romains au chapitre 12, les versets 6 à 11. Et cette lecture sera faite par le frère Oscar Charles. Frère Oscar. Romains chapitre 12, versets 6 à 11. Je l'ai pour vous. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie,
que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par mon fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. 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 Et maintenant, nous allons prier. Et pasteur Wisnel Séraphin sera pour nous la prière sacerdotale. Mais juste avant, nous allons écouter une chorale en ligne qui chantera pour nous « Oui, me voici Seigneur ». Et tout de suite après, le pasteur Séraphin dans la prière sacerdotale. Thank you.
vous pour mes frères, le nom du Seigneur, par la prière. Qui dit au soleil sur la terre, d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne lui leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Éternel, notre Seigneur, toi le Créateur de toutes choses, dispensateur de toute grâce excellente, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons et nous te disons merci de ce que, à l'aube de cette nouvelle journée, tu as mis sur nos cœurs le désir de chercher ta présence. Dans un monde fragile, dans un temps difficile et compliqué, nous avons trouvé en toi un refuge, un appui, un abri sûr. Les circonstances dans lesquelles nous vivons, tu les connais mieux que nous. D'ailleurs, nous lisons dans ta parole, qui dirait que quelque chose arriverait sans que l'Éternel ne l'aurait ordonné. Parce que tu es le Dieu, nous dit Daniel, qui change les temps et les circonstances. Nous soupirons ce matin après toi, ô Dieu. Tu nous donnes cette opportunité de pouvoir nous réunir pour continuer notre démarche de persévérance, d'adoration, d'édification et de communion fraternelle. Nous sommes contents parce que nous avons un ami en toi, un père, un berger, un soutien, une force. Ce que nous avons avec toi, c'est que tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes jamais. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, pour les grandes eaux que tu as traversées avec nous. Dans les nuits où il y a de grandes pluies, l'orage gronde, tu ne nous as pas laissés seuls, tu as marché avec nous. Même quand les secousses sont dures, nous sentons que nous sommes accompagnés. Merci de ce que tu as mis, toute l'expertise du ciel à notre disposition. Le cantique dit, quand nous crions, tu réponds. Quand on nous attaque, tu nous défends. Des fois, Seigneur, nous sentons que tu n'es pas content avec nous, parce que nous prenons les fardeaux sur notre dos. Nous prenons les douleurs seules. Et ainsi, nous nous sentons abattus, ballottés par les vents et les flots. Alors, il y a un Dieu responsable, disponible, qui veut nous assister. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Conscient, Seigneur, de nos défaillances, de nos chutes, de nos infidélités. Nous voulons te demander pardon. Pardon pour les fois où nous n'avons pas toujours été ce sel qui assaisonne, cette lumière qui brille. Pardon pour n'avoir pas toujours été ce témoin authentique
que tu réclames de tout vrai adorateur. Pardon pour les fois où nous n'avons pas été une source d'encouragement pour ceux-là qui avaient besoin d'un petit mot de notre part. Nous savons que tu es un Dieu plein de grâce. Tu es le Dieu plein d'amour. N'entre pas en jugement avec nous pour les bonnes actions que nous aurions dû poser, mais nous les avons négligées. Nous voulons te demander pardon ce matin pour notre manque de sincérité, notre manque d'intégrité et de droiture. Pardon pour les fois où notre Dieu, nous avons laissé les mauvaises pensées s'infiltrer en nous. Pardon pour les fois où nous avons laissé tomber de nos lèvres des paroles dures, des paroles mensongères, médisantes et calomnieuses. Regarde ce matin, si nous sommes sur une mauvaise voie. Conduis-nous donc sur la voie de l'éternité. Ce matin, Seigneur, il y en a parmi nous qui traversent des moments difficiles. Que ta grâce soit leur force. Nous vivons certainement des temps de grande incertitude, mais aussi de grandes souffrances pour certains de nos bien-aimés. En temps et hors de temps, tu restes le Dieu de toutes les circonstances. Apporte la paix, consolation et guérison à ceux-là qui ne vivent pas d'une bonne santé. Libère et délivre ce matin ceux-là qui sont sous les menaces des forces de l'ennemi. Nous te prions ce matin pour l'Église universelle. De quelque Dieu qu'elle se trouve, qu'elle vous place non seulement à tes pieds, mais aussi dans ton intimité, pour apporter consolation dans ce temps de grande difficulté. Nous te prions d'une façon spéciale, ce matin pour Didier-Laye, tout cela qui travaille pour l'avancement de ton règne. Nous te prions pour le berger de cette église, que ta bonne main soit sur lui, que ton esprit le guide et l'éclaire. Bénis sa femme et ses enfants, et tout cela qui l'aide dans la gestion de cette heure. Entends, ô Dieu, notre prière, fais au-delà de nos attentes. Nous te prions pour le monde entier. Donne aux chefs d'État du monde de se plier à la volonté de celui qui de toute éternité est le grand souverain. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Le pays d'Haïti est entre tes mains. Notre dernier espoir, c'est toi. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot. Bénis pour nous cette semaine qui vient à peine de commencer. Qu'elle soit une semaine de bénédiction pour ton peuple. Bénis ton serviteur qui aura à nous parler ce matin. Que ta parole soit sur ses lèvres. Puisse, Seigneur, servir de ton serviteur, afin que les paroles qu'il aura prononcées retrouvent le chemin de nos cœurs, bouleversent notre conscience. Nous avons besoin d'entendre un petit mot de ta part pour notre consolation ce matin. Nous avons besoin d'entendre un petit mot de ta part pour notre guérison. Nous avons besoin d'un petit mot de ta part qui pourra nous aider
à continuer la route, à continuer à fixer nos regards sur toi, à prendre force, ô Éternel, afin que nous n'assions pas un chemin, que ton nom soit toujours glorifié dans notre vie. Nous te prions, au nom de Jésus-Christ, lui qui vit dans l'unité parfaite, avec le Saint-Esprit, les avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, nous bénissons le Seigneur de ce privilège qu'il nous a accordé d'être en sa présence pour le louer et l'exalter. Nous disons encore bienvenue à tous ceux-là qui sont branchés sur la ligne de TDLI. Et à présent, nous vous présentons le berger de cette église qui va vous saluer et vous présenter les annonces du jour et de la semaine. Révérend Phalange Dormé. Bien-aimé en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous contents de ce que bon Dieu a accordé nous encore une fois l'opportunité que nous réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés et nous en ligne ensemble, non seulement sur les numéros de téléphone que nous gagnons pour le tabernacle de Dieu de Long Island, mais encore, nous avons la possibilité, grâce au ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy, nous capables de connecter nous sur radiodelafoi.org. Et à partir de ces connexions, nous partageons ensemble notre foi en Jésus-Christ et nous adorons ensemble notre grand Dieu, Créateur, Sauveur et Rédempteur. Nous saluons tous nos frères et toutes nos sœurs à quelques lieux que nous retrouvons nos matins, avec l'espoir que moment n'a passé ensemble, capable un moment béni pour chacun de nous. Et comme nous toujours dit, de lundi à jeudi, nous toujours retrouvons nous avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Nous espérons encore une fois au cours de cette semaine, si le Seigneur tarde à venir, nous capables ensemble pour continuer à nous nourrir de l'Évangile et continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce. Et notre devoir, c'est de prier les uns pour les autres, prier pour ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps, prier pour les handicapés spirituels, prier pour les nations de la terre, et plus particulièrement Haïti, les États-Unis, et Israël,
et priez pour les nations en guerre et celles qui se préparent à la guerre. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Dormé. Et maintenant, nous allons nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu qui vous sera présenté encore une fois par le révérend Phalange Dormé. Mais juste avant, nous allons écouter une chorale en ligne qui va nous chanter en langue étrangère « J'irai où tu veux, Seigneur ». Écoutons cette Pères et sœurs bien-aimés, imaginez une scène. Côté
gagne un grand banquet, en préparation. Les invités sont nombreux. Et chaque table est ornée avec soin. Au centre de cette splendeur, il y a des serveurs, des mondes qui sont là pour servir et qui se déplacent avec une grâce remarquable, qui se déplacent avec une diligence extraordinaire. Et nous sommes capables de remarquer dans le visage de Mounsayo ce que nous appellerions une noble détermination. Très vite, vous diriez que ces serveurs, ce ne sont pas de simples employés, c'est des mondes qui conseillent à faire, ce sont des artisans de l'expérience qui, au service, au cours de cette soirée. En plus, chaque plat est servi avec une attention minutieuse. Chaque sourire, c'est un manque de respect pour les invités. On nous reconnaît que le service que Mounsayo a offri n'est plus que ça nous est capable de relever une simple tâche, l'incarner bien plus la noblesse d'esprit, une dévotion inébranlable. Nous avons des lectures qui fait dans Romains le chapitre 12, le verset 11. Ça a attiré notre attention et interpellez-nous pour nous avoir gagné une attitude pareille dans le service que nous avons fait pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit très clairement par les trois derniers mots qu'elle utilisait en Romains le chapitre 12, le verset 11, l'apôtre Paul dit très clairement, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Que nous donnons pour titre au message du jour, la noblesse de servir. La noblesse de servir. En effet, c'est à dessein que et dans le cadre du christianisme, il fait choix du terme noblesse pour que m'arriver à la formulation du titre de ce sermon. Parce que dans la formulation du titre de ce sermon, alors que moi, ouais, on mélange de l'élévation, de la dignité et de la générosité, moi, joigne également un mélange de dépouillement, de désintéressement et même de sacrifice. Et le premier point que nous avons considéré avec nous, je dirais, c'est la noblesse de servir avec zèle. La noblesse de servir avec zèle. En effet, le zèle qui s'alliait, c'est l'enthousiasme ardent, c'est le dévouement sincère de l'accomplissement d'une tâche ou d'une mission. Et là, nous t'as posé nous des questions à savoir quelle flamme brûle en nous lorsque nous servons. Est-ce une étincelle scintillante ou un brasier ardent, un brasier flambant? Est-ce que c'est une petite étincelle qui simplement a voyé tes lumières? C'est peut-être ça, je parle d'étincelles scintillantes.
Ou bien est-ce que c'est un brasier flambant? Quelle flamme brille en nous lorsque nous sommes au service? Quelle passion s'éveille en nous lorsque nous servons? Qui énergie que nous sentit, qui anime nous lorsque nous dit que nous réellement au service? Quelle force intérieure, quelle puissance, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous consume lorsque nous sommes en service? Et m'a posé question encore une fois. Est-ce que c'est un petit étincelle qu'a scintillé? Ou est-ce que c'est un feu ardent, un feu brûlant, un feu flambant? L'apôtre Paul nous dit en Romains 12, le verset 11, et du zèle et non de la paresse. L'apôtre Paul ajoutait, soyez fervents d'esprit. Il ajoutait, servez le Seigneur. Oh, mes frères, mes sœurs bien-aimés, que notre service ne soit pas tiède, mais vibrant d'une passion sacrée. Nous sommes capables de dire que nos besoins travaillent de telle sorte que le zèle, l'ardeur, la vivacité, nous utilisons dans notre existence, nous laissons le zèle, l'ardeur, la vivacité employer notre existence, travailler notre vie, consumer même notre temps, et tout cela pour la gloire de Dieu. Je parle de la noblesse de servir avec zèle. Et non seulement cela, mais un deuxième point que nous avons abordé avec nous, c'est la noblesse de servir avec fidélité. La noblesse de servir avec fidélité. Et nous connaissons la fidélité, c'est la loyauté constante. La fidélité, c'est un engagement durable. Je dirais, loyauté constante, engagement durable envers une personne, une cause ou une obligation. Et ça portait à réfléchir et à poser des questions. Comment nous capables d'être fidèles, fidèles dans les petites choses? Comment rester fidèle? Fidèle même dans les détails insignifiants. Oh, nous sommes capables de continuer à poser question de quelle manière pouvons-nous être constants dans les petites tâches. Mes frères et sœurs bien-aimés, comment prouver notre fiabilité dans les choses discrètes? Et là, vite ma attention, nous. Et pensez aux mots que j'utilise. Comment prouver notre fiabilité dans les choses discrètes? Et la dernière question que Darren m'a posée, quelle action qui est capable de démontrer notre fidélité, même le pas des spectateurs, même le pas des personnes qui l'a pour nous, même le pas des personnes qui l'a pour observer nous, quelle action démontre notre fidélité? On nous reconnaît, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que la fidélité dans les petites choses est un indicateur de notre intégrité, un indicateur de notre capacité à être digne de confiance. Même le paguen monde qui a gardé nous, même le paguen monde qui a observé nous. La Bible, la parole de Dieu, dis-nous dans 1 Corinthiens, le chapitre 4,
Le verset 2. Or, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et ce texte, lui attire attention, nous, parce que, regardez bien, ce qu'on demande des dispensateurs, le pluriel, et l'apôtre Paul prend changer pour le singulier, côté le pradis, c'est que chacun sera trouvé fidèle. Et puisque je parle à vous tous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que vous dirais-je en cet instant? Soyons des gardiens intègres des talents, des conservateurs intègres des aptitudes, des serviteurs intègres des biens que Dieu, dans sa grande bonté, nous a confiés. Nous connaissons que la fidélité, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la fidélité dans le service forge notre caractère. La fidélité dans le service forge notre caractère. En effet, nous sommes considérés la noblesse de servir avec zèle, et deuxièmement, la noblesse de servir avec fidélité. Maintenant, le troisième point que nous aimé considérer avec nous, que nous aimé partager avec nous, c'est la noblesse de servir avec joie. La noblesse de servir avec joie. Et la joie, c'est un état de bonheur profond, un état de satisfaction intérieure. Et là encore, mes frères et mes sœurs bien-aimés, laissez-moi poser quelques questions. À savoir, premièrement, quelle mélodie résonne dans nos cœurs lorsque nous servons? Est-ce une mélodie de gratitude? Quelle harmonie résonne en nous lorsque nous servons les autres? Oh, mes frères et mes sœurs bien-aimés, d'arriver que nous focus sur question à poser là-haut. Quelle harmonie résonne en nous lorsque nous servons nos frères et nos sœurs? Est-ce que nos cœurs chantent? Est-ce que nos cœurs chantent une symphonie de reconnaissance au cours du service, pendant le service? Quelle musique intérieure accompagne nos actes de bienveillance? Est-ce que l'on a fait une action, l'on a posé une action, l'on a aider les autres? Est-ce que nous sentis une musique intérieure qui a accompagné son affaire? Et là, laissez-moi poser une autre question. Est-ce que nous avons décrit la mélodie de l'âme lorsque vous êtes mon frère, lorsque vous êtes ma sœur, au service des autres? Est-ce que vous avez décrit la mélodie de votre âme? Et là, laissez-moi finir avec une dernière question. Est-ce que notre service est une douce mélodie de gratitude? Et si oui, une symphonie, il y en a. Oh, que cette mélodie de service et de gratitude, qu'elle est capable de continuer à résonner dans nos cœurs, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que cette mélodie de service, que cette mélodie de gratitude continue de résonner dans nos cœurs, de telle sorte qu'elle t'a inspiré aux autres
à ce que nous servons des actions bienveillantes et des gestes de générosité. Bien-aimé en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, j'aime les paroles du psalmiste. Il écrit au psaume 102, 100, le verset 2, « Servez l'Éternel avec joie. » Servez l'Éternel avec joie. Et en servant l'Éternel, vous servez vos frères et vos sœurs. Ce que je souhaite pour chacun de nous, c'est que service que nous baillons, service que nous prenons, t'a constitué comme un chant sacré. Service que nous baillons, service que nous prenons, t'a constitué un hymne de louange. Puis service que nous baillons, service que nous prenons, t'a constitué une mélodie d'adoration. Parce que la joie dans le service, et là, prêtez-moi attention, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la joie dans le service est notre offrande la plus précieuse. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour le service, il est extrêmement important d'identifier premièrement ses compétences. Je dis bien pour le service, il est important d'identifier ses compétences. Avant que vous êtes capable de lancer dans le service, il est essentiel pour reconnaître les talents, les capacités, les dons. Et c'est ça que ça le permet pour choisir dans quel domaine que vous êtes capable de faire plus impact. L'identification de vos compétences. Pour le service, il est important, deuxièmement, de définir son champ d'action. Qui côté que je travaille et que moi je travaille de manière efficace. De telle sorte que me balancer dans une bataille que nous pas qu'à faire, mais me lancer dans ça que nous pas capable de relayer, nous faire d'influence. Nous côté que nous capable concentrer tout effort, que nous capable maximiser toute énergie de telle sorte que nous capable faire impact. Nos besoins. Identifier les compétences. Nous besoin définir le champ d'action. Troisièmement, nous besoin lancer nous dans l'œuvre avec passion. Oui, œuvrer avec passion. Parce que le service, c'est pas seulement une tâche à accomplir. Bon, reprendre ça pour nous. Le service n'est pas seulement une tâche à accomplir, mais c'est une opportunité pour faire la différence entre sa tafette à ça que on présente sous une côté. Et ça fait dire que le service n'est pas seulement une tâche à accomplir, mais une opportunité de faire une différence. Leur mettait cœur, leur mettait passion pour stimuler les autres et créer ça que nous sommes capables de brûler, un impact durable. Pour le service, oui, il est important d'identifier ses compétences, de définir son champ d'action, d'œuvrer avec passion, mais également d'évaluer ses actions. Oh oui, au besoin, pour prendre le temps, à chaque fois que vous finissez quelque chose, pour évaluer
sortez faire. Parce que le service n'est pas statique. Nous devons constamment évaluer nos actions de telle sorte que nous sommes capables d'améliorer ce que nous avons fait. Et c'est ça qui va permettre que nous ajuster notre approche. C'est ça qui va permettre que si tu as une erreur, nous corriger les erreurs. Et ça permet que nous grandissions dans le service. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est important d'embrasser la noblesse de servir. Que chacun de nous, dans notre sphère d'influence, capable de devenir un artisan de l'amour divin, un reflet de la grâce divine. Oui, que notre noble service soit le reflet de l'amour divin. Que notre noble service soit la lumière qui guide les âmes. Que notre humble labeur devienne une étoile dans le firmament de la grâce. Qu'il en soit ainsi. Amen et amen. Amen, amen. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce infinie qu'il nous a accordée de lui offrir ce service d'adoration. Nous avons été bénis et nous souhaitons que le Seigneur va nous conduire tout au cours de cette journée dominicale à le louer, à l'exalter. Pour terminer notre service, nous allons chanter les paroles du cantique qui se trouve au numéro 266 de notre recueil des chants d'espérance, section française. Ô Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouvrir. Chantons en ce cantique à la gloire du Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permet pas qu'elle s'envole notre souvenir de jaloux de ta sainte influence, trop souvent le malin a coup et ravi la semence que répondit ta main. Plutôt que
Amen, amen. Recevons maintenant la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.